Donc, bonjour à tous. Ça fait très plaisir de voir autant de monde déjà, c'est chouette. Donc, parce que je vois qu'il y a des partenaires, il y a des confrères, il y a des amis, donc c'est vraiment chouette. Donc, nous avons le plaisir ici de faire donc ce webinaire complémentaire à la journée technique qui avait été donnée il y a exactement un mois, le 26 janvier, où on va aller beaucoup plus loin dans les applications techniques et utilisation donc du duo gagnant Harmonix Road and Paste et l'Harmonix Monitoring. Donc, je profite aussi, en tant que représentant Armoza, évidemment, pour, suite aux nombreuses questions que j'ai eues, pour une fois, donner les informations et clarifier d'où vient le nom d'Armoza. Donc, comme vous le savez, suite à plusieurs acquisitions, donc, on a eu AEDS en France, Protecta en France pour la distribution grand public. On a une société également en Hollande, en Espagne. On commence un petit peu à grossir un peu partout. Et donc, on a décidé pour cela d'harmoniser la structure du groupe technique en appelant ça Armoza. Et donc Armoza vient simplement d'un jeu de mots entre armor, armure, protection, ce que vous faites un peu tous les jours, harmonie et la mossa qui est en anglais qui veut dire la Meuse, simplement pour ceux qui connaissent bien la Belgique, d'où je viens également. Et donc en fait, ça va de pair avec une stratégie qu'Armoza a décidé depuis quelques années de prendre, anciennement Biosix, d'être beaucoup plus que faire que la distribution, mais également être formulateur, détenteur d'homologation, détenteur de substances actives également, et pouvoir vous faire proposer des solutions techniques innovantes comme celles que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc voilà. Pour présenter Armoza, je vous ai préparé une petite vidéo qui ne va pas durer trop longtemps pour ne pas vous embêter. Ça dure 2 minutes 30, mais je pense que c'est important pour savoir exactement ce qu'on fait. Biosys, Belgagri et Aedes Protecta deviennent Armoza. Notre nouveau nom, Armoza, traduit notre ambition partagée de la lutte contre les nuisibles. À l'heure où notre climat se dérègle, la nature a plus que jamais besoin d'un coup de pouce. C'est là que nous intervenons. Armoza aide à préserver l'équilibre de la nature quand une aide s'avère nécessaire. Nos produits protègent notre alimentation, ils préviennent des maladies et empêchent des infestations, pour que l'homme et la nature puissent s'épanouir en harmonie. Les valeurs d'Armoza, leadership international. Nous sommes leaders et experts du secteur de la lutte contre les nuisibles. Armoza Tech détient plus de 800 autorisations de mise sur le marché à travers le monde, ce qui fait de nous un partenaire global de choix, capable de s'adapter aux besoins locaux. Efficacité. Nous développons, produisons et commercialisons des solutions efficaces à l'échelle mondiale. Nos moyens de protection et de gestion des organismes nuisibles sont parfois conventionnels, souvent alternatifs et toujours efficaces. Harmonie. Nos produits protègent les plantes, les animaux et les hommes contre les organismes nuisibles. Recherche et développement. Grâce à notre pôle R&D et à notre étroite collaboration avec différents centres de recherche renommés, Armoza se consacre au développement de solutions innovantes, efficaces et alternatives, adaptées à l'évolution des besoins de la lutte contre les nuisibles. Service. L'expertise de son équipe et un service personnalisé font d'Armoza le partenaire privilégié des professionnels. Nous personnalisons la lutte contre les nuisibles en apportant les conseils techniques, les homologations et le soutien pratique dont les professionnels ont besoin. Nos produits viennent en aide aux utilisateurs dans différents domaines: élevage, agro-industrie, jardin et habitat, et professionnels de la lutte anti-nuisibles. Nos activités s'étendent depuis la France, la Belgique et les Pays-Bas, jusqu'en Espagne, en Turquie, au Mexique et en Australie. Armoza a investi dans de nouvelles solutions qui protègent la nature. En prenant ensemble nos responsabilités pour nous-mêmes et pour les générations à venir, nous préservons le meilleur de la nature. Bienvenue à tout le monde, à toutes et tous, tous ceux qu'on n'a pas encore salués. Merci à Armoza et merci à la société Bayer d'être aujourd'hui présent pour ce webinaire. Alors, webinaire qu'on a intitulé Nouvelle stratégie de contrôle des rongeurs, à l'occasion du lancement de la nouvelle stratégie de lutte contre les rongeurs mise en œuvre par Bayer et distribuée par Armoza en France, et à l'occasion effectivement du développement notamment d'une gamme à base de collets calciférols. On reviendra sur cette matière active non anticoagulante. Et donc l'idée, c'est qu'on va passer une heure ensemble pour comprendre l'enjeu de la régulation des rongeurs, pourquoi cette nouvelle stratégie amène une nouvelle corde à l'arc
à l'arc du professionnel 3D que vous êtes. Et donc, et effectivement, on laissera aussi la parole à Renaud et à l'équipe de Bayer pour expliquer un petit peu le positionnement de ces produits-là dans le marché français. J'ai l'honneur de commencer cette présentation. Alors, bon, j'ai fait une petite présentation comme notamment sur les grands enjeux, le contexte de la lutte contre les rongeurs. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Non, c'est pas tout le reste est en français, vous inquiétez pas. Ce sera pas en anglais. Donc voilà, on va commencer. Voilà globalement le petit sommaire que je vous propose qu'on balaye ensemble, notamment en commençant comme j'aime bien le faire par un entonnoir. On va regarder un petit peu globalement l'enjeu du contrôle des rongeurs, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans l'actualité on parle de leptospirose, on parle de la nécessité de réguler les rongeurs notamment au milieu urbain, mais on a aussi aujourd'hui régulièrement des remises en cause de la régulation des rongeurs parce que les anticoagulants peuvent intoxiquer des espèces nocives, parce qu'on pense effectivement que l'utiliser des produits chimiques pour réguler des mammifères notamment, c'est plus dans l'air du temps. Donc on voit bien qu'en milieu urbain, il y a une tendance qui s'installe, hein, un petit peu anti-tout, et une remise en cause parfois même de la régulation des rongeurs, parfois même la régulation d'espèces envahissantes comme le ragondin, hein, en milieu urbain, hein, que tout le monde appelle des castors. Hein, mais on voit bien qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui du contrôle des rongeurs sur le plan sanitaire. On fera un petit point aussi sur les anticoagulants versus les autres matières actives, parce que c'est vrai qu'on est habitué maintenant depuis une trentaine d'années à n'avoir essentiellement que les anticoagulants pour lutter contre les rongeurs. Le cholécalciférol, donc, est la matière qui est la matière active qui est contenue dans le nouvel APA Harmonix Rodent Pest, amène un vrai intérêt, un nouvel outil dans la boîte à outils du programme professionnel que vous êtes, et donc on s'arrêtera un petit peu de minutes là-dessus. Et puis ensuite, je vous présenterai les essais qu'on a réalisés. Hein, donc Bayer nous a fait confiance pour qu'on mène les essais à la fois d'homologation, mais l'évaluation de l'efficacité de cet APA sur le terrain. Et donc je vous présenterai la manière dont on fait un essai d'efficacité rapidement, et puis les différents résultats qu'on a obtenus sur ce nouvel APA, avec ce nouveau. Je dirais pas nouvel APA, je dis c'est plutôt nouvelle stratégie de lutte contre les rongeurs, parce que vous verrez qu'on fait une alternance entre un placebo et un APA contenant la matière active. Alors, déjà commençons de manière un peu globale par discuter de l'enjeu du contrôle des rongeurs. Donc quand on parle de l'enjeu du contrôle des rongeurs, on s'intéresse essentiellement à trois espèces qui sont les trois espèces qui transmettent le plus de pathogènes. Parce qu'on se rappelle bien que notre métier, ce n'est pas de réguler des rongeurs par plaisir, mais bel et bien de maintenir ces rongeurs comme maintenir des insectes sous un seuil acceptable, acceptable certes socialement, mais surtout acceptable sur le plan sanitaire, hein, à savoir que ces rongeurs sont vecteurs de beaucoup de maladies, hein, et ça a été démontré sur le plan scientifique. Et donc, l'intérêt pour protéger la santé de l'homme et protéger la santé des animaux domestiques et de l'environnement, c'est réguler ces espèces-là pour éviter qu'elles disséminent un certain nombre de pathogènes. Un pathogène qu'on connaît bien en ce moment, c'est la leptospirose. Il y a encore un article dans la presse qui est sorti ce matin, avec deux espèces qui véhiculent pas mal la leptospirose, le rat brun et le rat gondin. Donc c'est vrai que quand on régule ces mammifères, c'est bel et bien dans un esprit de santé publique, de préservation de la santé publique. Tout d'abord, le rat brun, c'est celui qui est l'espèce phare à réguler, parce que c'est le rongeur qui transmet le plus de pathogènes devant tous les autres rongeurs. Hein, donc lui, creuse des terriers, c'est lui qu'on appelle le rat d'égout, il est omnivore, il est urbain, il s'adapte à tous les environnements, c'est une vraie espèce envahissante, peu importe le milieu dans lequel il est amené à vivre, tant qu'il peut faire des terriers et qu'il a une source alimentaire constante, eh bien, pas de problème pour lui de vivre, quel que soit l'endroit de la planète où il se retrouve, y compris en Tanzanie. Le rat noir, lui, c'est celui qu'on appelle le rat grimpeur, le rat des greniers, qui est plutôt inféodé à l'industrie agroalimentaire, plutôt inféodé stock de céréales, transformation de céréales, transformation de matières premières. Il est grimpeur, il ne fait pas de terrier, il est délicat, c'est plutôt un rongeur assez social, alors que le rat brun, c'est un rongeur qui peut présenter une certaine agressivité et qui a une cellule matriarcale très très élaborée dans sa population. Hein, c'est un rongeur pas social, alors que le rat noir et la souris peuvent être considérés comme des rongeurs beaucoup plus sociaux.
cette souris, parlons-en. Souris, ça fait 20-25 grammes, hein, à peu près. Alors, beaucoup de confusion sur les souris. Pourquoi ? Parce que les souris sont aussi un rongeur. C'est un rongeur qu'on transporte assez facilement avec des palettes, avec des sacs de farine, avec un certain nombre de moyens de transport. On peut transporter des souris. Et on peut avoir de temps en temps des confusions entre les souris et les mulots. Déjà, au sein même de la grande famille souris, eh bien, on peut très bien avoir en France, même en Belgique, des souris qui viennent de l'autre bout de la planète parce qu'elles sont transportées en avion ou en bateau. Donc, on peut bel et bien se tromper d'espèce. On a, par exemple, en France, une sous-espèce qui est en train de se développer en ce moment qui s'appelle Mus musculus, non pas domesticus, mais spretus, qui est une toute petite souris à queue courte, pour laquelle, quand on la piège, on a l'impression de piéger que des petites souris domesticus, mais en fait, ce sont déjà des adultes de cette nouvelle sous-espèce. Donc, en fait, en France, on peut déjà être amené à rencontrer plusieurs espèces de souris, mais aussi d'autres espèces qui sont, et notamment une autre espèce qui s'appelle le mulot, qui est apparentée, qu'on peut facilement, dans un piège, confondre avec une souris. Alors, on a l'habitude de dire une pullulation de mulot dans un garage, ça s'appelle des souris, et une pullulation de souris dans un terrain vague ou au bord d'une forêt, ça s'appelle des mulots. Pas du tout le même milieu de vie. Donc là, on est plutôt face à trois rongeurs qui vont vraiment déstabiliser la santé publique. Pourquoi ? Parce que trois rongeurs qui vont peu ou prou habiter dans et autour des bâtiments, dans ce que nous, on va appeler le périmètre biocide. Donc, c'est bel et bien ces bestioles qui vont entrer à notre contact et qui potentiellement vont manger la même chose que nous et qui potentiellement vont dégrader nos installations et potentiellement nous transmettre des pathogènes parce qu'ils vont vivre dans le même environnement que nous. Après, quand on va parler de mulots, de campagnols, ça, c'est des rongeurs qu'on va plutôt rencontrer dans le milieu agricole et qui, de fait, même s'ils peuvent également transmettre des pathogènes, vont moins en transmettre à l'homme parce qu'ils vont vivre dans un écosystème qui n'est pas le nôtre. Voilà. Donc, en fait, ces trois espèces de rongeurs, on les appelle les commensaux, qui vivent dans notre environnement immédiat. Voilà, voilà ces rongeurs. Hein, donc, vous avez à droite le rat brun, au milieu le rat noir, et à gauche la souris. Rat noir, beaucoup plus petit que le rat. Un rat brun, ça va faire. Alors, s'il y en a qui n'ont pas de son, vous pouvez relancer l'application et de temps en temps ça revient. Ça peut être simplement que. Il faut relancer l'application si vous n'avez pas de son, ou pas d'image, ou votre image est bloquée, ou vous ne m'entendez plus. Voilà. Donc, un rat brun en France, les gros rats bruns vont faire 600 grammes, les gros rats noirs vont faire 350 grammes, et les grosses souris. Éventuellement diabétiques vont faire 30 grammes, quoi, 28 grammes. Hein, une souris de laboratoire, les souris blanches que vous voyez là, ça fait 25 grammes. Donc en fait, tous ces rongeurs vont vivre dans notre grande proximité et potentiellement vont manger la même chose que nous et vont nous transmettre des pathogènes dont la liste est un peu longue, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez cette souris, hein, domesticus, hein, qui pèse de 10 à 25 grammes, alors que la spretus, cette toute petite souris dont on a parlé, tout à l'heure, elle va peser entre 8 et 12 grammes à l'âge adulte, ce qui veut dire qu'elle est deux fois plus petite que la souris normale. Donc ne vous étonnez pas si vous ne piégez que des petites souris, ça peut être en fait les adultes de cette sous-espèce. Donc petits excréments grainerie, la souris elle aime bien vivre en intérieur, ça c'est une certitude. Le rat brun, on en a parlé, 250 à 500 grammes, les dominants font jusqu'à 600 grammes, queue moins longue que le corps, creuse des terriers, vit dans et autour des bâtiments. C'est ce qu'on appelle le rat d'égout, hein. C'est l'omnivore des rongeurs. C'est le plus adaptable. C'est une vraie espèce envahissante. Et il n'aime pas la compétition avec les autres espèces, donc il a plutôt tendance à exclure toutes les autres espèces qui voudraient exploiter la même source alimentaire que lui ou le même lieu. Hein. Un endroit où il y a un foisonnement de rats bruns, en général, on n'a pas de pigeons, on n'a pas de rats noirs, on n'a pas de souris, pas de moineaux qui viennent exploiter la même source alimentaire parce qu'il est agressif. Donc effectivement, dans la stratégie de contrôle du rat brun, eh ben, dans le diagnostic que vous allez mener sur le terrain, il va falloir effectivement savoir où est-ce qu'il mange, par où il passe pour y aller, et en fonction de ça, bah, par où il passe pour y aller et où est-ce qu'il mange, bah, on va en déduire où est-ce qu'il habite. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit rapidement que dans une dératisation, si on n'a pas trouvé la zone de terrier, ou qu'elle est inaccessible, eh bien, on va traiter ce qu'on appelle les individus périphériques, l'effet puits, et on ne va pas traiter la source de rongeurs que constitue la zone de terrier. Donc c'est très important qu'on puisse aussi avoir accès au terrier parce qu'il y a une partie des éléments de lutte qu'on va mettre en œuvre dans les terriers ou autour des terriers pour éviter aussi de rentrer en concurrence alimentaire avec la source de nourriture que le rongeur s'est habitué à trouver sur place. Donc voilà la petite différence entre rat brun et rat noir. Vous voyez, il y en a un qui est
qui est guidant la sélection à garder une queue plus longue que le corps, qui s'appelle le rat noir. Pourquoi ? Parce qu'il vit en hauteur et la queue, il l'utilise comme un cinquième point d'appui pour se déplacer en hauteur et éviter la chute. Alors que chez le rat brun, c'est vraiment les muscles pectoraux qui se sont développés. Pourquoi ? Parce que dans la sélection, le rat brun creuse des terriers et qu'il a besoin de cette musculature pectorale pour pouvoir à bien creuser ses terriers. Voilà le rat noir, potentiellement un site sur lequel on peut trouver du rat noir, hein, stockage de céréales, transformation, silos de farine, voilà, tout ça, fabrication de biscuits, tout ça, ce sont des industries dans lesquelles on peut potentiellement trouver du rat noir. Alors attention, le rat brun sur les sites arrive très souvent par les réseaux d'égouts, hein, c'est un rongeur qui se dissémine beaucoup par les réseaux d'égouts, alors que le rat noir, on le transporte. Et en règle générale, c'est les camions de transport de céréales, c'est les chaînes de convoyage et les tracteurs, les manitous dans les exploitations qui transportent des rats d'un point A à un point B. Le rat noir, il ne va jamais contaminer une ferme et à une autre de proche en proche et physiquement. Il va plutôt attendre d'être transporté accidentellement, hein, ce n'est pas forcément qu'il souhaite être transporté, mais il va se retrouver dans une nouvelle exploitation ou dans une nouvelle usine par le moyen de transport que nous, on utilise pour aller d'un point A à un point B. Alors la souris et le rat noir, c'est nous qui les transportons. La souris est disséminée facilement par des palettes, par des voitures, par des camions, alors que le rat brun, lui, va plutôt se disséminer en milieu urbain. Il va plutôt se disséminer par les égouts, voire de proche en proche d'une exploitation à une autre. Hein. Donc, pas surprenant que sur un site où on n'a jamais connu d'épidémie, enfin pas d'épidémie, mais de colonisation de rats noirs, ben, qu'un jour, on a une population qui s'installe sans forcément comprendre d'où elle peut venir. Attention, ne vous trompez pas dans le diagnostic, le rat noir et la souris ne vont jamais venir de proche en proche. Il ne va pas falloir aller chercher une explication à la colonisation par les éléments de la périphérie immédiate des bâtiments. C'est souvent les moyens de transport qui permettent à ces rongeurs d'aller d'un point A à un point B, contrairement à ce qu'on observe avec le rat brun, qui lui va utiliser les haies, il va utiliser les égouts pour se disséminer d'un point à un autre. La souris, bah, elle va avoir une vie essentiellement en intérieur. On va d'ailleurs la détecter soit par la présence de crottes, soit par les dégâts qu'elle occasionne, la nourriture qu'elle consomme, soit par des dégâts électriques, soit par de l'odeur. Mais bon, quand il y a de l'odeur, ça veut dire déjà que ça fait un moment que la population est installée. Pourquoi l'odeur ? Parce que la souris, en fait, est un mammifère qui a besoin de peu de ressources en eau. Pourquoi ? Parce qu'elle a une capacité à concentrer ses urines, et donc elle a les urines elle concentre ses urines pour récupérer l'eau qui est dans les urines. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de beaucoup boire. Et donc, en concentrant les urines ont une odeur qui est forte, très caractéristique de la souris. Hein, j'imagine bien qu'il y en a d'entre vous qui faites beaucoup de chantiers souris. Quand vous arrivez sur un site, vous sentez qu'il y a de la souris. Et ça, c'est assez caractéristique de la souris. Il y a quoi dans les urines de souris ? Il y a des phéromones qui permettent la communication entre les différents individus. Voilà. Alors, quand on parle de risque sanitaire par les rongeurs, voilà le tableau. Parce qu'on nous jette souvent un peu en pâture en disant « Ah, il ne faut pas tuer les rongeurs ne sont pas nos ennemis », oui. Sauf que voilà le contexte sanitaire lié principalement aux rongeurs et principalement aux rats bruns. La lepto, c'est 1 million de cas par an au niveau mondial, 60 000 morts. Hein, c'est une des zoonoses. Zoonose, c'est quoi ? C'est une maladie qui passe de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. C'est 60 000 morts par an dans le monde. C'est une des zoonoses les plus mortelles sur Terre, puisque c'est entre 10 et 13% de mortalité. Même le Covid n'y arrive pas. Alors vous voyez, on parle beaucoup de peste, et finalement la peste, c'est 1000 à 3000 cas par an dans le monde, hein, donc 1000 à 3000 morts par an dans le monde, ce qui n'est pas très très important au vu du tableau de toutes les maladies que les rongeurs peuvent transmettre. Rickettsie, après effectivement on a des parasites, hein, les antivirus qui sont des virus, la salmonelle, hein, on ne comprend souvent pas des accidents sanitaires dans des entreprises industrie agroalimentaire, ça a été caché Lactalis par exemple, on n'a pas compris comment les salmonelles pouvaient arriver là, parce que malheureusement on ne fait pas assez souvent le lien entre la présence de rongeurs, la présence d'oiseaux dans les installations et cette dispersion de salmonelles. Très souvent par exemple on a des élevages de, par exemple présence de salmonelles dans des élevages de poules pondeuses, c'est abattage obligatoire du cheptel et on ne comprend pas comment ça arrive. Ben, très souvent ça arrive par les rongeurs ou les oiseaux à qui on laisse un accès au bâtiment. Donc y compris en élevage, faire une bonne dératisation, c'est anticiper les problèmes sanitaires qu'on pourrait avoir, notamment sur la santé des animaux qu'on élève. Fièvre de la toxoplasmose. Alors la toxoplasmose, on appelle également ça la maladie des griffes du chat. Toxoplasmose, donc ce protozoaire qui est dangereux pour les femmes enceintes,
entre 3e et 6e mois, qui peut occasionner une déformation du fœtus en cas de contamination d'une personne qui n'était pas immunisée. On pense souvent au chat, on pense souvent au fromage, on pense souvent à ces choses-là. Et bien non, les rongeurs sont un facteur, les rongeurs et les insectes sont un facteur de dissémination de la toxoplasmose, avec le principal facteur de dissémination de la toxoplasmose, qui est la consommation de viande de mouton mal cuite. Voilà globalement, donc le tableau sanitaire, il est clair, il ne faut pas nous dire le contraire, même si aujourd'hui on sent bien que la société elle évolue sur ces sujets-là, notamment sur l'interaction à l'animal, sur la manière dont on doit mener la régulation des rongeurs demain, n'aller que là où c'est nécessaire et les laisser tranquilles là où ils embêtent personne. Oui, mais ne pas réguler des rongeurs à un endroit parce qu'ils ne dérangent pas est aussi une mauvaise idée, parce que ces rongeurs peuvent être un vrai réservoir de maladies. Et transmettre ces maladies à des endroits là où les rongeurs posent des soucis. Donc laisser des rongeurs sur le terrain, c'est potentiellement de futurs problèmes sanitaires. Mais parlons aussi d'un sujet qui est en vogue aujourd'hui, hein, qui fait couler de langue dans la presse. Si on veut avoir sa photo en première page dans un journal aujourd'hui, on parle d'écologie et de biodiversité, et dans le rang, on remonte très facilement vers la une. Eh bien, quand on fait de la régulation notamment du rabrin, eh bien on agit aussi pour la biodiversité. Regardez, ça c'est la densité d'oiseaux sur une île, hein, qui de l'archipel de Molène. Quand on réduit la population de rats sur mulot, alors rats sur mulot c'est rabrin, rat d'égout, tout ça c'est la même chose, c'est Rattus norvegicus, hein, c'est ce rat d'égout. Bah, quand on réduit la population de sur mulot sur une île, on a de manière assez systématique des populations d'oiseaux, et donc la biodiversité qui remonte en termes de densité, hein, donc une réponse très positive, hein, de la biodiversité à la présence de rongeurs ou à l'absence de rongeurs. C'est-à-dire que quand on dératise, eh bien oui, et y compris en milieu urbain, on agit pour la biodiversité. Je crois qu'il ne faut pas aussi avoir peur des mots, il ne faut pas forcément laisser ce mot biodiversité que aux gens qui pensent que ce sont des amis de la nature et des animaux. Oui, quand on fait de la dératisation, on agit pour la biodiversité, je crois que c'est clair. Alors maintenant, anticoagulants et autres matières actives. C'est vrai que les anticoagulants, c'est pareil pour les chèvres et les lapins. Et les blaireaux aussi, je crois que ça agit, ça fait pas sur une île, oui, exactement. Donc pourquoi les anticoagulants? Parce que c'est la grande classe des la grande famille chimique des molécules qu'on utilise depuis de nombreuses années en dératisation. On en a oublié un tout petit peu le sens, hein. Alors pourquoi on utilise les anticoagulants? Parce qu'ils ont une action différée. Oui, les rongeurs, c'est pas facile. C'est pas facile de réguler des rongeurs, c'est des espèces qui sont très élaborées sur le plan comportemental, et donc réguler des rongeurs, ça signifie effectivement un haut niveau d'efficacité dans la population, et de fait, pour avoir un haut niveau d'efficacité dans une population, et notamment de rabrins, et ben, il faut contourner leur méfiance, parce que ce sont des mammifères très méfiants, qui n'aiment pas le changement, et donc si des rongeurs, et on va appeler ça l'aversion alimentaire, si un rongeur constate qu'un de ses congénères a mangé un appât et immédiatement en déclare des symptômes, eh bien le reste de la population de rongeurs ne goûtera pas cet appât parce qu'ils auront assimilé le risque qu'ils ont observé chez leur congénère. Et donc, bien entendu, on utilise les anticoagulants. Pourquoi? Parce que les anticoagulants, ils commencent à générer une hémorragie au bout du 4e jour chez le rongeur et une mort aussi au jour 6. Et donc, cet effet différé des anticoagulants permet clairement de contourner la méfiance des rongeurs et permet clairement d'arriver à un haut niveau d'efficacité dans la population. Donc, ce qui veut dire que les toxiques immédiats, hein, les toxiques puissants, les toxiques qui provoquent des symptômes d'intoxication rapidement après la consommation, ne sont pas des molécules avec un bon profil pour faire la dératisation. Hein, donc, je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Les anticoagulants, on les jette en pâture aujourd'hui et les autorités ont plutôt tendance à les avoir dans le scope et à rendre les conditions de réhomologation de ces anticoagulants au niveau européen compliquées pour essayer petit à petit les sortir du marché. Oui, les anticoagulants ont une vraie fonction, ont un vrai intérêt dans la dératisation, et c'est vrai que aujourd'hui on va parler du cholécalciférol qui lui apporte aussi un vrai intérêt dans la dératisation, mais n'oublions pas que ces anticoagulants ont aussi une fonction, ils peuvent constituer une solution dans un certain nombre de situations de dératisation. Alors quand on parle des anticoagulants, on parle de deux générations, certains ont tendance à parler de trois générations, moi c'est plutôt deux générations. La première génération en vert, coumaphène ou warfarine, hein, c'est la même chose, chlorofacinone, coumatétralyle, que sont ce qu'on appelle les premières générations. Il faut plusieurs repas d'appât par le même rongeur pour qu'il arrive à la dose qui va le faire mourir, c'est-à-dire déclencher le chronomètre de la mort
qui va occasionner la mort 6 jours plus tard. Et ensuite, face à des développements de résistance, hein, et ça, ça a été aussi un vrai problème avec les anticoagulants, les chimistes ont développé de nouvelles molécules qui vont se stocker plus longtemps dans le foie pour essayer de contourner ce phénomène de résistance qu'on a observé sur les premières générations. Donc, on a développé diphénacoum, bromadiolone, puis une fin de seconde génération, brodifacoum, floxacoumafène, difétialone, pour lesquels ces trois derniers en rouge, on n'observe pas de résistance sur le terrain. Donc, si on a une résistance apparente à ces trois molécules de fin de seconde génération, ça ne peut être que de mauvaises applications, parce qu'à partir du moment où il y a consommation de la dose létale d'une de ces trois molécules en rouge, eh bien, il y a mort du rongeur avec certitude, il n'y a pas de résistance. Néanmoins, chemin faisant, on a développé ces anticoagulants de plus en plus toxiques. Comment on a fait pour les rendre de plus en plus toxiques? On les a stockés de plus en plus longtemps dans le foie du rongeur. Mais bah, un anticoagulant qui se stocke dans le foie du rongeur et qui ne se dégrade pas, eh bien, ça tue tout ce qui va manger le rongeur. Et donc, on a vu fleurir ce qu'on appelle les intoxications secondaires. L'intoxication secondaire, c'est que je suis moi, par exemple, un renard, et je vais mourir parce que j'ai mangé un rongeur qui lui-même avait stocké du brodifacoum dans son foie. Et effectivement, on a, dans la balance bénéfice-risque il y a 50 ans, on était très focalisé sur le bénéfice. Pourquoi? Parce que mise en œuvre de la politique sanitaire de la France, nécessité de contrôler notre environnement, pour notre confort, on a régulé toutes les bestioles qui nous posaient des problèmes. Mais petit à petit, on s'est focalisé également sur le risque. Et le risque, notamment, on a vu fleurir une focalisation sur ce qu'on appelle le risque environnemental. Hein, depuis maintenant 30 ans, on parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle de... Et donc, effectivement, les anticoagulants, au fur et à mesure, on est parti avec une très bonne note sur les anticoagulants, et puis au fur et à mesure, eh bien, dans la balance bénéfice-risque, la société s'est aussi tournée vers les risques associés aux anticoagulants, qui sont clairs, hein, qui sont la résistance et les intoxications secondaires. Donc petit à petit dans le temps, les anticoagulants ont été de moins en moins bien considérés parce qu'on a commencé à se focaliser vraiment sur le risque, proposé par les anticoagulants dans l'environnement. Alors, les aspects positifs des anticoagulants, attention, il reste des aspects positifs, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ça c'est clair, les anticoagulants gardent un avenir dans la dératisation, dans un certain nombre de situations, parce que ça reste une solution technico-économique viable. Tout le monde nous vend du piégeage connecté aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer du piégeage connecté chez eux, et ce qu'on pourrait appeler la France silencieuse, qui n'a pas les moyens de se payer une dératisation avec des produits à 800 ou 1000 euros l'unité. Hein, alors c'est super, c'est génial, on reçoit un signal sur son iPhone quand on l'aura pris, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un iPhone. Donc oui, toutes les solutions sont les bonnes pour réussir en fonction des situations sur lesquelles on a nécessité d'intervenir, toutes les solutions sont bonnes. Ils agissent de manière différée. Hein. Je vous ai donc 6 ou 7 jours, je vous ai expliqué pour quelles raisons c'était intéressant. C'est intéressant pour contourner la méfiance du rongeur. Ça reste efficace à de faibles concentrations et les anticoagulants ne sont pas détectés dans les appâts, ce qui en font en fait une matière active intéressante en termes de formulation industrielle. Mais bien sûr, ils ont des limites. Je viens de vous le dire, notamment dans cette balance bénéfice-risque avec les anticoagulants, qui sont efficaces sur tous les vertébrés à sang chaud. C'est-à-dire que si c'est autre chose qu'un rat qui mange un appât anticoagulant, bah, cet anticoagulant, il ne va pas voir chez qui il agit. Si moi, en tant qu'anticoagulant, je suis consommé par une espèce et que je peux bousculer les voies de coagulation chez cette bestiole-là, je vais la tuer. Il y a une résistance qui s'est développée sur le terrain, c'est clair, et une toxicité primaire et secondaire qui devient une réalité et qui a fait prendre du poids dans la balance bénéfice-risque qui a fait prendre du poids au risque. Et c'est ça que les autorités ont dans l'œil du cyclone. Et donc, de fait, bah, ces limites constituent des autorités européennes qui cherchent à limiter de plus en plus les conditions d'usage des anticoagulants. Voilà. Donc, l'intérêt, vous l'avez bien compris, c'est que les anticoagulants restent une solution techniquement viable, économiquement viable, mais très fort intérêt aussi aujourd'hui de disposer d'autres solutions complémentaires dans la boîte à outils du professionnel que vous êtes. Hein ? Donc intéressant aujourd'hui de disposer de solutions chimiques non anticoagulantes en complément des solutions de lutte existantes, hein ? Pour maintenir de nombreux outils à disposition du professionnel 3D. Le mode d'action non anticoagulant, il est nécessaire en France pour la lutte contre les rongeurs. On a un peu l'alpha-chloralo chez la souris, mais ça ne fonctionne pas chez le rat. Pourquoi ? Parce que ça agit trop vite.
Et l'intérêt, c'est aussi de se dire qu'on a une solution non anticoagulante pour rentrer en rotation. Hein, on vous parle souvent de rotation de molécules. On vous dit ça, hein, l'ANSES, dans les homologations, vous dit, bah, attention, alterner les molécules entre un anticoagulant et un non anticoagulant, sauf qu'on n'avait pas de non anticoagulant jusque-là, et c'est une très bonne nouvelle qu'on en ait un, pour casser de la résistance sur le terrain, et potentiellement aussi pouvoir utiliser cette nouvelle solution dans des conditions environnementales dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'exposer de la faune sauvage avec des anticoagulants. Un AVK métabolisé est-il plus ou moins dangereux pour le risque secondaire? Alors la problématique, c'est une bonne question, la problématique c'est que vous avez vu ces anticoagulants de fin de seconde génération, ils ne sont quasiment pas métabolisés chez le rongeur. Pourquoi? Parce qu'en fait le foie du rongeur qui voit arriver ces anticoagulants-là avec des fonctions particulières qu'on appelle des fonctions halogènes, le chrome, le soufre, le chlore, qui sont des fonctions stabilisantes pour une molécule dans le foie, le foie ne sait plus les dégrader, ces trucs-là. Donc en fait, l'anticoagulant, il arrive dans le foie, il bouscule la coagulation et il ne se transforme pas parce que le foie ne sait pas le dégrader. Donc c'est-à-dire que l'anticoagulant qui tue le rongeur, il est quasiment intact et disponible pour la bestiole qui va venir manger le cadavre. Mais par contre, attention, on n'oppose pas, en tout cas moi, ma vision, si je peux me permettre en tant qu'expert, c'est de me dire j'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout sur le terrain. On n'a pas de solution miracle, contrairement à tout ce qu'on veut nous faire croire. Oui, les anticoagulants, ça fonctionne, mais ils ont des limites, comme toutes les solutions. Mais attention, l'intérêt, c'est vraiment qu'on garde la boîte à outils la plus large possible, parce que bah, une situation égale une solution. Il y a des situations dans lesquelles on ira avec du piégeage, d'autres situations dans lesquelles on ira avec de la chimie. Voilà. Alors, l'intérêt du cholécalciférol, du coup, quel est le moyen d'intérêter les terriens évitant une éventuelle intoxication? Alors, blé, le traitement de terrier, faites attention, il y a un certain nombre d'APA pour lesquels c'est interdit. Je ne sais pas si Harmonic Ronan-Pest, vous avez l'autorisation de traitement de terrier. Sinon, les autres APA, ils doivent être utilisés en poste d'appâtage. Il y a très, très peu d'APA. Il y a très peu des chiffres, des statistiques concernant les intox secondaires. Ouais, j'ai des chiffres. Je vous les enverrai après le webinaire. On avait notamment fait un papier en 2010 et on avait fait un article dans Phytoma pour... publier la réalité des intoxications primaires et secondaires en France. Donc là, l'article, je pourrais vous le mettre à disposition sans aucun problème. Et puis, je sais, hier, ou Vincent, je ne sais pas s'il y a l'homolo, si les APA, ils ont l'homolo terrier. Ben, ça, je vous laisse voir ensemble. Ouais, Renaud. Oui, non, Romain, juste pour te confirmer, le Harmonix Rodent Paste a bien l'homologation pour utilisation dans les terriers. J'en parlerai un petit peu après, d'ailleurs. Super. Je te confirme. Génial, ok, super. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous savez bien que à partir du moment où on fait de l'appâtage dans les terriers, c'est plus efficace que l'appâtage en post-appâtage. Alors, il y a un risque associé parce que bah, si c'est autre chose qu'un rongeur qui va dans le terrier qui consomme, bah, potentiellement, cette bestiole-là, on va la tuer aussi. Mais d'un autre côté, on a moins de méfiance à amener des appâts dans des terriers qu'à forcer un rongeur à rentrer dans un post-appâtage. Ouais, on a une meilleure efficacité, ça c'est sûr. Ou en tout cas, plus rapide. Ouais. Juste en curatif, alors ça je laisserai Renaud vous le dire, probablement oui, les APA, malgré le fait qu'ils contiennent du cholécalciférol, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, répondent aux mêmes interdictions d'appâtage permanent que les anticoagulants. Alors l'avantage du cholécalciférol, je vous l'ai dit, un non anticoagulant, on en a besoin dans notre boîte à outils, c'est pas un toxique rapide, donc il contourne aussi la méfiance du rat et de la souris. C'est ça qui est intéressant par rapport à l'alpha-chloralose par exemple. L'alpha-chloralose fonctionne que chez la souris, pourquoi? Parce que la souris elle fait pas attention, elle est pas méfiante comme le rat, donc les souris elles mangent, il y en a une qui fait des convulsions, elle meurt, les autres elles disent oh, bon, c'est pas très grave, je vais manger aussi. Alors que chez le rat lui il arrive à associer consommation est mort de son congénère si ces deux événements sont suffisamment rapprochés dans le temps. L'intérêt du cholécalciférol, c'est qu'on a un effet coupe-faim à un jour et demi et une mortalité à deux jours et demi après consommation. Donc c'est suffisant pour ne pas éveiller la méfiance du rat et de la souris. Le mécanisme d'action, on le connaît bien, hein, c'est un mécanisme d'interaction avec le calcium dans les cellules. Donc en fait, on n'arrive plus à réguler le taux de calcium dans le sang de l'animal et l'animal meurt par hypercalcémie, hein, je dirais. Donc le cholécalciférol n'est pas détecté dans les formulations non plus, il agit à faible dose, il n'y a pas de résistance connue à ce jour chez les rongeurs, et ça c'est un très bon point parce que on a de la résistance de manière significative.
significative en France. Hein. On pense qu'on a, par exemple, si on prend la bromadiolone en France, on a 25-30% des rongeurs, en France, notamment en milieu urbain, et notamment des rats bruns qui sont résistants à cette molécule. D'où l'intérêt d'introduire une molécule comme le cholécalciférol dans la lutte contre les rongeurs. Il y a un effet coupe-faim, donc en fait, on voit rapidement les dégâts disparaître. En tout cas, à partir du moment où il a consommé, il y a un effet coupe-faim qui se fait un jour et demi, me semble-t-il. Et donc, le rongeur, comme il y a un effet coupe-faim de cette molécule, le rongeur arrête de consommer sa source de nourriture habituelle, et donc on voit une diminution des dégâts occasionnés par les rongeurs assez rapidement. Alors qu'avec les anticoagulants, il faut quand même attendre 4-5 jours. Et puis une absence d'intoxication secondaire, pourquoi ? Oui, alors des antidotes, il n'y a pas un antidote vraiment clair comme chez les anticoagulants qui s'appelle la vitamine K1, mais dans la mesure où on a peu d'intoxication primaire et peu d'intoxication secondaire avec le cholécalciférol, alors il y a un antidote chez l'homme, hein, ça pas de souci, mais chez les animaux il n'y a pas la vitamine K1 comme on connaît chez les anticoagulants, mais absence d'intoxication secondaire, et donc ça c'est un point très intéressant et qui vient, je dirais, répondre aux objections qu'on nous oppose aujourd'hui avec les anticoagulants, que sont résistance et intoxication de bestioles de faune sauvage. Voilà. Possible d'appliquer un traitement symptomatique dans les tout premiers jours après un traitement. Oui, supervision d'un vétérinaire. Voilà globalement. Hein, donc aujourd'hui, très fort intérêt autour de cette molécule pour, je vous disais, la dératisation et notamment du rat brun, pour introduire une nouvelle matière active dans les rotations pour des questions de résistance et des questions d'intox secondaire. Voilà. Du coup, je vais passer la parole à Renaud qui va vous présenter, Renaud et Bachir, hein, qui vont vous présenter le produit, et puis je reprendrai la main ensuite pour vous présenter un petit peu les essais qu'on a été amené à faire sur le terrain, et avec comment on mène un essai sur le terrain, pourquoi on peut dire aujourd'hui que la stratégie Harmonix qui a été développée, elle est bonne, comment on teste sur le terrain, et quels sont les résultats qu'on a obtenus sur le terrain. Merci Romain. Donc en effet, Bachir Hamida, qui est responsable technique, il est à côté de moi un petit peu plus loin pour des raisons évidentes de distanciation sociale, donc prendra le relais après moi. Donc moi je suis Renaud Pommelin, je suis chef de marché pour l'hygiène publique chez Bayer, et donc on est fier de vous présenter cette dernière innovation Bayer pour le contrôle des rongeurs, en effet, parce qu'on est convaincu que c'est un produit qui va apporter vraiment un plus par rapport aux moyens qui sont disponibles aujourd'hui, donc un outil en plus dans cette boîte à outils. Et on va essayer de vous démontrer que c'est une solution qui est aussi efficace que responsable. En petit préambule, pour revenir sur le nom du produit, Harmonix Rodent Paste, donc peut-être que vous connaissez déjà le nom Harmonix. Hein, pourquoi il s'appelle Harmonix Rodent Paste ? C'est donc une marque qui est en fait utilisée pour tout ce qui est solution de contrôle alternatif, par exemple parce qu'ils contiennent des substances naturellement présentes dans l'environnement ou des meilleurs standards de sécurité et pour l'environnement. Donc, c'est pour ça que c'est une marque ombrée qui s'appelle Harmonix, et donc le produit Harmonix Rodent Paste. Donc, ce produit, comme le précisait Romain, contient du cholécalciférol. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Sachez voilà, que c'est aussi appelé la vitamine D3. Hein, et donc, c'est une substance qu'on trouve naturellement dans l'environnement et qui existe aussi dans d'autres domaines que pour le contrôle des rongeurs, et qui a donc fait l'objet d'une homologation par les services R&D Bayer, donc pour un usage rodenticide. Et donc, on a développé une formulation unique, et on va vous présenter les intérêts de cette formulation après. Je reviens pas trop sur le mode, tu as passé un peu vite Romain, sur le mode d'action que tu as expliqué. Je pense que c'est Ah, on a perdu Renaud. Ouais, ils ont pas. Il y a une mauvaise connexion chez Bayer, donc. Excusez-moi. Ouais, Bachir. Ouais, c'est bon. Bah, je vous. Voilà, je pense qu'on est de retour. Merci Romain. C'est tout bon de ton côté ? Ouais, tout bon, pas de souci.
Allez, on continue alors. Donc, je disais, je ne vais pas m'attarder sur le mode d'action du cholécalciférol. Tu en as parlé tout à l'heure. Donc, cette hypercalcémie qui va agir donc en dehors du système cardiovasculaire et en particulier provoquer des dommages au niveau des reins et du foie qui vont entraîner la mort de l'animal. Donc, en quoi cette solution qui contient le cholécalciférol est révolutionnaire aujourd'hui pour le marché des professionnels 3D? Tout d'abord, parce qu'il va répondre aux différents critères de choix quand vous, professionnel 3D, PCO, vous devez choisir telle ou telle solution de traitement. Donc, une solution révolutionnaire parce qu'elle va tout d'abord apporter une efficacité qui va être optimale. Hein, et c'est pour ça que ce produit s'inscrit aussi dans la gamme de produits Armoza, comme vous avez pu le voir dans la vidéo tout à l'heure, donc avec une notion d'efficacité qui est vraiment importante. Cette efficacité, elle va intervenir grâce à son mode d'action et surtout son appétence qui est exceptionnelle et qui vont permettre une rapidité d'action qui va être inégalée hein, pour ce type de produit. Il va présenter également le bénéfice, tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît Romain, il va également présenter donc ce bénéfice d'effet coupe-faim, comme vous a dit Romain, et Bachir reviendra un petit peu plus en détail concrètement ce que ça représente. Et également, c'est un outil de gestion des résistances, bien entendu, comme le souligne Romain également, parce que cette résistance est une réalité aujourd'hui avec certains produits anticoagulants sur le marché. Donc, on viendra en détail sur ces bénéfices, mais au-delà de ces bénéfices techniques, on voulait également mettre en avant son côté responsable. Et c'est le cas donc pour Odon Paste, qui d'abord est un produit qui ne présente pas de classement toxicologique ou écotoxicologique, hein, donc il n'y a pas de pictogramme, il n'est pas CMR, cancérigène, mutagène ou reprotoxique, donc voilà, c'est plutôt un produit qui a un bon profil. Également, la substance active, pour précision, c'est une substance qui est non persistante et non bioaccumulable dans l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de persistance et de bioaccumulation? Ça signifie que la substance va se dégrader plus rapidement dans le corps des rongeurs et ne va pas derrière s'accumuler dans la chaîne alimentaire. Il y aura pas, et comme le disait Romain, justement, il ne va pas se mobiliser à l'intérieur du corps des rongeurs et donc limiter considérablement les risques d'empoisonnement secondaire. Clairement, cette notion d'empoisonnement secondaire, c'est quelque chose qu'on va vraiment chercher à limiter, hein. C'est vraiment au cœur des considérations environnementales aujourd'hui. Et donc, pour illustrer un petit peu nos propos sur ce risque d'empoisonnement primaire qui a été réduit, donc on a évalué les risques pour les animaux non cibles. Pour revenir sur l'empoisonnement primaire, notamment, on sait que les oiseaux sont peu sensibles au cholécalciférol. Donc là, vous voyez sur l'image qu'il faudrait qu'un canard, par exemple, ingère plus de 2 kilos d'appât pour atteindre sa dose létale des L50, ce qui est assez important. Mais c'est surtout là où ça va être encore plus parlant, donc au regard de cette mobilisation du cholécalciférol dans le corps du rongeur. Donc, en termes d'empoisonnement secondaire, donc, lorsque l'animal va consommer le rongeur qui lui-même a consommé l'appât toxique, ben là, c'est une montagne de 10 000 souris qu'il va falloir consommer pour qu'un chien atteigne sa DL50. Donc, je dirais pas que le risque zéro n'existe pas, hein, on le sait tous, mais voilà, c'est quand même relativement faible. Et donc, en termes d'empoisonnement secondaire, c'est un produit qui va vraiment avoir un intérêt. Sur ce, je vais laisser la parole à Bachir, qui va donc vous revenir un petit peu plus en détail sur les éléments techniques tout de suite. Donc, il va prendre ma place. Bonjour à tous, on a le temps de m'installer. Donc effectivement, comme Renaud l'a mentionné, je suis également très fier de vous parler de ce projet sur lequel j'ai travaillé. Hop. Tac. Donc on va passer donc à des tests qui prouvent cette efficacité. Donc quand on parle de lutte contre les rongeurs, finalement c'est quoi? Pour moi, le point primordial, et pour tout le monde j'ai envie de dire, c'est l'efficacité pour un nouveau rodenticide. Donc Harmonix Rodent Paste a un niveau de performance élevé qui a été prouvé lors d'essais sur le terrain. Je vais d'ailleurs vous en présenter un. Donc le test numéro 1, il s'agit d'un essai efficacité terrain sur rat brun qui montre l'évolution des consommations d'appât de Harmonix Rodent Paste
et du Brodifacumpat à 50 ppm. Quel est le but de ce test finalement? Le but de ce test, c'est de comparer l'efficacité de notre rodenticide par rapport à un des meilleurs anticoagulants de seconde génération en ingestion unique. On observe que les deux rodenticides ont permis de maîtriser totalement la population des rongeurs en 28 jours d'appâtage. On observe également en vert que Harmonix Rodent Paste a une consommation d'appât réduite plus rapidement constatée dès le 10e jour. Donc une diminution de consommation signifie une diminution du nombre de rongeurs, mais également de leur activité. Donc des résultats observés encore plus rapides pour vous et vos clients. Je vais maintenant vous aborder le deuxième bénéfice. Donc il s'agit d'une réduction d'appât, comme le mentionnait Renaud précédemment. Donc une réduction d'appât consommée pour une performance équivalente. Si tu peux avancer, Romain. Hop. Donc à travers ce test numéro 2, donc il s'agit d'un essai laboratoire sur souris, donc toujours avec nos deux mêmes produits, le Harmonix Rodent Paste et le Brodifacum, qui montrent les évolutions des consommations d'appât ainsi que les mortalités associées. Donc sur la gauche, en vert, on peut observer que Harmonix Rodent Paste provoque un effet coupe-faim à partir de 48 heures, suffisant pour atteindre la dose létale, tandis que les appâts à base de Brodifacum sont eux consommés jusqu'à 5 jours. Sur la droite, on observe également qu'avec moins d'appâts d'Harmonix Rodent Paste consommés, eh bien finalement, les vitesses de mortalité sont équivalentes entre les deux rodenticides. Donc, avec moins, on arrive à faire autant. Concrètement, pour vous, c'est quoi? Eh bien, on peut observer jusqu'à moins 50% de consommation. Enfin, on peut rester sur la slide avant, Romain, s'il te plaît. Super, merci. Donc, concrètement, pour vous, c'est quoi? On peut observer jusqu'à 50% de consommation en moins d'appâts par rapport aux anticoagulants. On observe également une diminution du risque d'empoisonnement secondaire, car moins d'appâts consommés, eh bien, c'est égal à moins de substances actives dans le corps du rongeur, et également des dégâts causés par les rongeurs stoppés plus tôt. On peut passer au test numéro 3. Donc, la pâte Harmonix, elle a monté un excellent niveau d'appétence, et ça, c'est prouvé par des tests. Donc, je vais vous présenter maintenant ce test 3, qui montre clairement que l'appétence des appâts Harmonix, eh bien, elle est supérieure à celle des appâts placebo de référence du marché. On peut également observer une petite ligne en pointillé au centre qui correspond en fait au niveau d'appétence du blé, qui est une nourriture très appréciée par les rongeurs. On observe que l'appétence des appâts Harmonix, eh bien, elle est supérieure à 0,5, donc supérieure à celle du blé. Ça, c'est clairement un atout considérable dans des situations de forte compétition alimentaire, comme dans des fermes, dans des industries agroalimentaires. Une excellente appétence, eh bien, elle permet également de diminuer le phénomène de néophobie des rongeurs et surtout d'obtenir des résultats plus rapides pour vous. Et donc, comme l'avait mentionné Romain précédemment, donc là, le cholécalciférol et Harmonix Rodent Paste de facto est efficace sur tous les rongeurs et d'ailleurs même sur les souches résistantes. En effet, de nombreux rongeurs ont développé des résistances aux anticoagulants, en particulier à ceux de première génération. Des tests ont été faits sur ces souches résistantes et il y a eu zéro résistance au cholécalciférol. Et également, grâce à son mode d'action, une probabilité très faible d'en voir apparaître. Nous allons maintenant aborder les bonnes pratiques d'usage pour ce produit. Hop, on va passer à la slide suivante. Donc, Harmonix Rodent Paste, finalement, il peut s'utiliser avec ou sans préappâtage, c'est-à-dire dès constatation de l'infestation. Après, dans le cadre d'une utilisation en lutte intégrée, il existe un produit à notre gamme qui s'appelle Harmonix Monitoring, qui a été spécifiquement développé pour une utilisation optimale en complément de Harmonix Rodent Paste. Harmonix Monitoring, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est un appât placebo, donc sans substance active, qui a exactement la même recette de pâte que Harmonix Rodent Paste. Et donc, Harmonix Monitoring plus Harmonix Rodent Paste forment le duo gagnant pour le contrôle optimal des rongeurs. Et donc, ce duo gagnant, finalement, j'ai envie de dire, il sert à quoi? Il va nous apporter quoi? Eh bien, c'est une solution complète pour nous permettre une grande flexibilité et un résultat assuré. Elle est également en phase avec les évolutions de la réglementation qui limite l'appâtage toxique aujourd'hui à 35 jours, donc l'appâtage non permanent. Également, Harmonix Monitoring permet de déterminer quand et où l'infestation se déclare. Il permet également de préappâter, c'est-à-dire d'habituer les rongeurs aux appâts et également aux boîtes appâts. Les deux pattes étant identiques, eh bien, moins de néophobie et une consommation plus rapide de Harmonix Rodent Paste sur le terrain. Ça se traduit comme ça. Romain, d'ailleurs, va vous montrer un petit peu plus ces détails et les bénéfices de l'association des deux produits, en fait. Merci, Romain. Et également, il y a un aspect économique qui est non négligeable dans nos métiers, hein, j'ai envie de dire. Et ce programme innovant, il reste compétitif économiquement. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que grâce au monitoring, finalement, vous appliquez la bonne quantité de Harmonix Rodent Paste au bon endroit et au bon moment.
Également, il permet de limiter les coûts de destruction des appâts toxiques usagés, car par définition, on en mettra moins, j'ai envie de dire. Également, l'effet coup fin, eh bien, il réduit les quantités consommées, c'est-à-dire par rapport, enfin, surtout par rapport aux anticoagulants. Et enfin, la période de traitement étant raccourcie, eh bien, il y a moins d'appâts toxiques utilisés. Sur cette approche économique, l'équipe Armoza pourra revenir plus en détail vers vous. Je vais maintenant laisser à nouveau la parole à Renaud. Hop. Ok, merci Bachir. Donc je continue, il nous reste voilà, quelques minutes de présentation. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on a pris un petit peu de retard. Bon, pour faire bref, le produit. Ah, je vois que je ne vois plus la présentation. Si c'est bon, ça passe. Merci Romain. Je ne sais pas si vous voyez la présentation au niveau de votre écran. Moi, je n'ai plus de retour. C'est bon, c'est parfait. Merci. Ouais, là, c'est mieux. Donc, c'est un produit qui est proposé dans un sac de 5 kg. Hein, on reviendra un petit peu plus tard sur le sac. Et donc, il se présente sous forme de pâte à pas, de sachets de 20 grammes, en fait, hein, avec une couleur verte. Et juste pour précision, c'est important pour vous, certains qui travaillez dans les industries agroalimentaires, pardon, donc qui bénéficient de la certification HACCP, hein, qui est donc, le principe, c'est de garantir la sécurité des aliments dans ces industries agroalimentaires. C'est un produit qui est pour les professionnels uniquement, c'est important de le préciser, on ne le trouvera pas dans le marché amateur, et donc qui va cibler souris, rats noirs et rats bérins, bien entendu. Et comme tous les produits rodenticides, son utilisation se fait dans des postes d'appâtage sécurisés, évidemment, pour limiter les risques d'empoisonnement primaire. Concernant les lieux d'application, hein, c'est un produit qui est très polyvalent, donc il va s'utiliser bien entendu en intérieur, mais également à l'extérieur et autour des bâtiments, déchetteries, etc. Et surtout, je dirais, et là où c'est intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans les zones ouvertes extérieures. C'est la slide suivante, Romain. Donc, les zones ouvertes extérieures, comme les terrains de golf, les parcs, les jardins, les zones industrielles, etc. Et également les terriers, comme je vous le précisais tout à l'heure. Et donc, c'est particulièrement intéressant quand on va chercher à contrôler une population de rats bruns, notamment. Et par contre, dans ce cas-là, on va placer l'appât directement dans les terriers sans utiliser des postes d'appâtage sécurisés, mais en prenant soin de couvrir et de bloquer les entrées. On a parlé de Harmonix Monitoring aussi, également sous forme de sac, 4 kg, sous forme d'appât, de sachet appât de 10 grammes pour le coup, un petit peu plus petit que le Roden Paste, et également des certifications HACCP et également une certification d'exemption des principaux allergènes, et c'est encore une fois intéressant dans l'industrie agroalimentaire. Je vous dis deux mots sur le sac parce que c'est un packaging qui arrive un petit peu en rupture avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Hein. Vous voulez aller au bout de notre démarche responsable. C'est pour ça qu'on a voulu changer ce packaging qui auparavant était en forme de seau. Voilà. Et donc là, on propose un sac qui va vraiment être une alternative durable avec une composition avec 80% de plastique en moins par rapport au seau. Voilà, c'est optimisé pour le stockage aussi, c'est un sac qui se veut pratique dans le quotidien. Une fois qu'il est vidé, on peut l'aplatir, ça prend moins de place. On sait que des fois, ça peut être galère quand il y a beaucoup de volumes qui sont passés. Et puis voilà, et puis surtout, comme je vous disais, il est fait pour être utilisé. Donc, c'est un sac qui est robuste. On sait qu'il peut être maltraité des fois. Donc, voilà, là, on a un sac qui est fait de 3 couches de plastique, qui est résistant à l'eau, à la lumière, à la déchirure, etc. Et qu'on peut manipuler avec une poignée, comme vous pouvez le voir au dos du sac. Donc, on a présenté beaucoup d'informations jusqu'à présent. Je vais essayer de vite résumer tous ces bénéfices. Hein. Donc, c'est une alternative qui est responsable. Qui est complète par rapport aux anticoagulants classiques, même si ils sont encore là. On a une boîte à outils, on est bien d'accord là-dessus. Je dirais pour vous, c'est le contrôle d'une population de rongeurs avec 100% d'efficacité. Hein. Un produit, parce que le produit est super appétant, qu'il n'y a pas de résistance, je dirais actuelle ou à venir aussi. Hein. Je ne sais pas si Bachir l'a mentionné, oui. Donc, voilà, pas de risque à venir non plus. Et on va utiliser moins d'appâts pour contrôler cette population.
ce qui va avoir aussi son importance donc sur l'empoisonnement secondaire. Donc, vous utilisez un produit qui est sans classement, que vous pouvez utiliser également dans le cadre d'une approche lutte intégrée avec le Harmonix Monitoring. Et Romain va vous démontrer dans la foulée en quoi cette approche, justement, qu'on appelle duo gagnant, voilà, a tout son intérêt. Donc, je te laisse la parole, Romain. Merci à tous pour votre attention. Merci Renaud, j'ai bien senti dans tes paroles que j'avais foiré le timing, donc je vais essayer de me rappeler un peu. Voilà, je vais essayer de pédaler un peu plus rapidement sur mon tricycle. Et je reprends ma petite présentation pour vous présenter les différents résultats d'essais qu'on a obtenus. Alors déjà, c'est quoi un essai? Quand on fait un essai chez Innovation, Innovation est maintenant en Europe probablement la plus grosse plateforme d'expérimentation indépendante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des laboratoires, on a des techniciens qui vont sur le terrain aussi. On prend le produit, indépendamment de tout ce qu'on nous raconte, là, toutes ces présentations marketing que vient de vous faire Renaud, il ne peut pas nous la faire avant qu'on teste le produit. Donc, nous, on va sur le terrain et on va au laboratoire, on prend le produit et on l'expérimente dans des conditions qui sont complexes pour le produit. Notamment là, comment on mène un essai? On prend un site sur le terrain, on assigne une population de rongeurs naturels, on évalue cette population. Comment on évalue cette population? Eh bien, en lui faisant consommer du blé, par exemple. On donne du blé à des rats, et puis il y a un moment, on va remettre un peu plus de blé. Tant que tout est mangé, on remet un peu plus de blé tous les jours sur le terrain. Vous voyez que c'est ça, cette courbe qui augmente là. Et jusqu'à un moment où les rongeurs n'arriveront plus à manger tout le blé qu'on leur propose au quotidien. Et donc, en divisant cette quantité maximum consommée tous les jours par ce que mange habituellement un rongeur, entre 20 et 25 grammes pour un rat brun, c'est 10% de son poids, 10% de son poids de corps, on en déduit à peu près un nombre théorique de rongeurs sur le terrain. Et puis après, on observe une période qu'on appelle le washout, une période de déshabituation du rongeur, c'est-à-dire qu'on ne met plus rien pendant 3-4 jours dans le poste. Le rongeur vient, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien, et puis à un moment, on met le traitement. L'idée, c'est qu'on n'ait pas de modification de la consommation du traitement, parce que les rongeurs étaient habitués à beaucoup manger dans ce poste, et on pense que 3-4 jours entre les deux, ça suffit pour déshabituer le rongeur. Quoi qu'il en soit, on traite, on fait un relevé de consommation de l'appât tous les jours, un relevé des cadavres, et puis ensuite on observe cette chute de consommation, l'appât est consommé, en quelle quantité, et pendant combien de temps. Et puis finalement, à la fin du test, on peut se dire, c'est pas parce que j'ai pas observé de consommation de mon appât ou que mon appât n'est plus du tout consommé sur le terrain que j'ai plus de rongeurs. Je peux très bien avoir des rongeurs qui n'aiment pas cet appât, qui aimaient bien le blé au départ, donc on les a comptabilisés. Ils n'aiment pas l'appât au milieu, donc ils mangent pas. Par contre, si je remets du blé après, potentiellement, ils vont manger du blé. Donc je remets du blé après pour évaluer si il me reste des rongeurs sur le terrain. Et on met des caméras pour observer si on a du mouvement. Si dans ce cas-là, on n'a plus de consommation après le traitement et que sur les caméras on voit rien, c'est très probablement parce que les rongeurs sont morts. Alors voilà, donc ça, on a mis ça en œuvre pour tester la stratégie monitoring et Harmonix Monitoring et Harmonix Rodent Pest. Donc dans des situations où on a mis monitoring plus peste, dans des situations où on a mis blé plus peste, pour observer également ce qu'apportait la stratégie monitoring avant de disposer la peste, l'Harmonix Rodent Pest sur le terrain. Et c'est assez sympa comme résultat. Donc là, vous voyez, ça, c'est le préappâtage. Donc quand on préappâte avec Harmonix Monitoring, c'est ce que vous disiez Bachir tout à l'heure, on a potentiellement une appétence de monitoring qui est plus importante que le blé. Ce qui est, nous, ça nous intéresse beaucoup sur le terrain parce qu'on va aussi s'en servir dans nos manips de terrain pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle ce plateau maximum de consommation plus rapidement. Vous voyez que le blé, on l'atteint jour 17, jour 18, le temps que tous les rongeurs consomment. Avec monitoring, on y arrive entre le jour 6 et le jour 12. Donc nous, ça nous intéresse aussi sur le terrain. Et ça, cette manip-là, elle a démontré que l'Harmonix Monitoring avait une forte appétence. Donc, bonne formulation. Ensuite, Harmonix Rodent Pest versus appât concurrent, vous voyez que finalement, quand les rongeurs mangent des appâts à base de colécalciférol, ils meurent. Et ils meurent relativement rapidement, en 4 jours. En 4 jours, on a quasiment les rongeurs sont quasiment tous condamnés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que le colécalciférol a un effet à 1 jour et demi, 2 jours, qui n'est pas un effet trop précoce, parce que sinon, on aurait du refus de consommation par aversion alimentaire chez le rongeur. Donc là, c'est assez intéressant. Et globalement, quand on associe Harmonix Monitoring et Harmonix Rodent Pest, vous voyez qu'en fait, on a réglé le problème de la population en 15 jours, dès 15 là, alors que si on commence par du blé
par du blé, eh bien, on met plutôt 26 jours à régler le problème de population de rongeurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le monitoring est la même formulation que PEST, ce qui fait que, en fait, les rongeurs, la seule chose qu'on change quand on passe du préventif au curatif, c'est qu'on change une formulation pour remettre la même formulation simplement avec le toxique dedans. Et vous voyez que ça fait gagner du temps parce que on perd du temps à utiliser du blé par rapport à une formulation qui est plus appétante. Et ensuite, on perd en efficacité de dénaturation. C'est-à-dire que si on fait blé plus une autre formulation derrière, l'autre formulation derrière, les rongeurs vont s'en méfier un peu plus que si c'est la même formulation qu'ils avaient l'habitude de manger avant. Voilà. Voilà. Et par contre, quand on parle d'efficacité avec des anticoagulants, ça c'est un graphe. Vous voyez que là où on parle de 4 jours pour la mortalité, 4-5 jours de mortalité avec le cholécalciférol, là c'est un exemple avec une pâte brodifacoum 25 ppm, eh bien vous voyez que là il faut bien 10-11 jours pour avoir la population qui décline totalement là où on est à 4 avec le cholécalciférol. Donc cholécalciférol, on va plus vite qu'avec les anticoagulants, en dehors des autres avantages du cholécalciférol, pas de résistance et pas d'intoxication secondaire. Voilà, globalement, donc ça, c'était pour le rabrin. Hein, le rabrin, là, maintenant, on est chez la souris. Finalement, on peut dire, d'un rongeur à l'autre, on peut avoir des tendances qui sont différentes. Et maintenant, on observe la même chose. Monitoring est préféré par la souris par rapport à la consommation de base de ce qu'on met dans les postes pour pré à pâté, qui s'appelle la semoule. Hein, donc, monitoring plaît aussi aux souris. Hein, cette formulation-là, elle est intéressante. Et donc, de fait, on va observer quasiment la même chose que ce qu'on a observé chez le rabrin derrière. Là, c'est quelle est la mortalité des souris une fois qu'elles ont consommé. Vous voyez que la mortalité, on a mis la population par terre des 5 des 6. Quoi. Avec des anticoagulants, on sera aussi, voire même plus au-delà que le rabrin. Quand vous utilisez du brodifacoum sur des souris, c'est rarement résolu en moins de 15 jours. Là, on est clairement sur des 5 des 6. Donc, on a quand même un bel effet du cholécalciférol une fois que les souris ont consommé. Tout à l'heure, il y avait une question sur le coupe-fin. L'effet coupe-fin, de toute façon, il se déclenche chez le rongeur. De manière bien décalée par rapport à l'atteinte de la dose létale. Donc le rongeur, il atteint la dose létale qui va le faire mourir bien avant que l'effet coupe-fin se produise. Donc en d'autres termes, la question tout à l'heure, c'était est-ce que le rongeur peut ne plus avoir faim avant d'atteindre la dose qui va le faire mourir? Non, globalement non, parce que s'il se met à manger, il va rapidement atteindre la dose qui va le faire mourir avant que la matière active provoque cet effet coupe-fin chez lui. Et puis donc même chose, quand on commence un programme avec de la semoule plutôt qu'avec monitoring, on met plus de temps à réduire la population avec Harmonix Rodent Pest. Hein. Donc il parle de duo gagnant sur le plan marketing. Moi je parle de duo intéressant sur le terrain. En tout cas moi sur le plan technique ça m'intéresse de voir qu'une formulation est bien consommée. Parce que globalement, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, ça répond à un enjeu réglementaire qui est de dire tant que je fais du préventif, je n'ai pas le droit d'utiliser pas avec des matières actives. Donc ça, cette observation-là, elle fit bien avec l'enjeu réglementaire aujourd'hui qui est l'interdiction de l'appâtage permanent. Parce qu'à partir du moment où notre placebo, c'est-à-dire le monitoring, il est consommé, ça signifie qu'on passe en curatif et donc on a simplement à changer la formulation pour aller vers une formulation contenant un appât toxique. Donc la conclusion chez les rats résistants et sensibles, puisqu'effectivement on a testé le cholécalciférol sur des rats résistants qu'on connaît, notamment une souche Y139F qu'on connaît bien en France, et sur les souris. Donc le pré-appâtage avec Harmonix Monitoring facilite l'acceptance ensuite de ce qui a à être consommé derrière, notamment l'Harmonix Rodent Pest. L'association des deux, elle est intéressante, qui permet de contrôler l'infestation plus vite que si on met autre chose avant que l'Harmonix Monitoring. Et puis l'Harmonix Rodent Pest, il est pleinement actif sur les souches de rats résistants. Ça, c'est important. On le savait, mais ça va mieux quand c'est démontré. Donc voilà, globalement, et en conclusion, l'innovation, comment nous, on perçoit en tant qu'expert indépendant, comment on perçoit cette innovation-là, c'est le cholécalciférol, on en a besoin aujourd'hui. On en a besoin pour résoudre des problématiques de sensibilité environnementale, ça veut dire ne pas créer d'intoxication secondaire, intoxication primaire. Et on en a besoin dans des cas de résistance. Je vous rappelle simplement que la résistance par rapport à la broma, par exemple à la broma en France, on est de l'ordre de 25-30% des rongeurs et des rabrins que vous pouvez réguler en ville. Ce qui n'est pas rien. Dans ces situations-là, effectivement, on est content d'avoir une nouvelle matière active. Que la formulation Harmonix, globalement, qu'elle soit monitoring ou Rodent Pest, c'est une bonne formulation, elle est appétante. Et que l'association des deux, elle est intéressante pour gagner
pour gagner du temps sur le terrain par rapport à une situation, soit vous utilisez des anticoagulants, soit vous utilisez autre chose pour faire du préhépatage. Donc en fait, c'est pour ça que je disais en préambule que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas vraiment un nouvel appât, c'est une nouvelle manière d'aborder le rongeur, avec une nouvelle matière active, mais aussi avec ce qu'on appelle un baiting programme, avec une nouvelle approche d'appâtage qui en plus répond aux enjeux réglementaires aujourd'hui d'interdiction de l'appâtage permanent dans des cas préventifs, en France en tout cas. Voilà. Alors, plus appétant que les anticoagulants ou équivalents, ça c'est pas anticoagulant ou cholécalciférol, parce que de toute façon les deux matières actives ne sont pas détectées dans la formulation par le rongeur, ça dépend vraiment de la formulation. Et donc vraiment du savoir-faire de l'industriel à créer un truc que le rongeur il aime manger. Après, si c'est des anticoagulants, bah, il va mourir en 6-7 jours. Si c'est du cholécalciférol, il va mourir en 2 jours et demi, 3 jours. Voilà. Et donc, en fait, on n'a pas le type de matière active qu'on met dans l'appât n'a pas d'impact sur l'appétence de la formulation. Voilà. Qu'en est-il ? Bah, chien-chat, pareil, il faut quand même des grandes quantités de cholécalciférol consommées par rapport à ce qu'il faudrait consommer en anticoagulant. Donc ça, y compris sur les intox primaires, ça a vraiment un intérêt. Protocole par l'utilisation d'Harmonix, bah ça je laisserai l'équipe Bayer. Donc, du coup, je vais repasser la parole à l'équipe. Moi, j'en ai fini. Je repasse la parole à Vincent pour la conclusion. Aujourd'hui, et puis je suis dispo si vous avez des questions par le chat. Voilà. Ben, déjà, merci à tous. Hein. C'est quand même guy d'avoir plein d'informations techniques comme ça par des gens qualifiés. Moi, je voulais simplement souligner quelques points que j'avais notés sur la présentation, qui sont des points à suivre. C'est premièrement, on a un placebo qui a exactement la même formulation que l'appât toxique, qui est vraiment l'avantage de l'Harmonix Rod & Paste. Le deuxièmement, un élément qu'on n'a peut-être pas encore signalé, c'est qu'il y a une déclaration non allergène sur l'Harmonix Monitoring. De nouveau, c'est un bel avantage dans l'industrie agroalimentaire. D'accord. En plus, il est HACCP. Le principe de l'Harmonix Rod & Paste qui a un effet coupe-faim, donc on diminue la consommation, comme je l'ai mis un moment dans le chat, ça a des intérêts sur des sites très sensibles, évidemment, pour éviter et limiter les dégâts. La disponibilité, donc, elle sera disponible, produit, fin de semaine prochaine. Et sachez que Armoza, en tant qu'accompagnateur des sociétés professionnelles, on met à disposition également des rouleaux de stickers pour pouvoir les mettre sur vos postes d'appâtage. Parce que vous savez, vous devez avoir une SPC avec la matière active et le produit qui met dedans. Donc, on a déjà prévu en amont. Donc, fin de semaine prochaine, normalement, on devrait tout avoir. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes commerciales et on pourra vous fournir tout ça. Au niveau du prix, qu'on puisse en parler également, donc on va être à 19,20 € le kilo pour un sac de 5 kilos. Donc pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes commerciales pour les différents conditionnements, pour voir comment est-ce qu'on peut vous fournir tous ces produits. Alors en France, on dit 20, on ne dit pas 20. Pardon, oui. Et le dernier point important, c'était surtout qu'il est autorisé également Terrier. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez du coup d'autres questions. On peut faire un tour de questions peut-être pendant 5 minutes pour voir ce qu'il en est. Non, le cholécalciférol ne marche pas en insecticide. Même si on met dans un gel, par exemple, pour des blattes, on n'a pas de déstabilisation possible du métabolisme calcique chez les insectes. Ils n'assimilent pas du tout le calcium comme nous, donc ça ne fonctionnerait pas sur autre chose que des mammifères à sang chaud. Voilà. Utilisation en égout, je sais pas. Non, aujourd'hui, il l'est pas. Aujourd'hui, il l'est pas. Oui. Romain, juste pour revenir sur la consommation, le risque de consommation directe par d'autres mammifères tels que le chien et le chat, avec des risques d'empoisonnement primaire, donc c'est des risques qui existent. Hein. C'est pour ça que les produits rodenticides, pour rappel, hein, sont tous amenés à être utilisés dans des postes d'appâtage sécurisés. Et c'est clairement ce qui va permettre de réduire considérablement le risque d'empoisonnement primaire. Avant tout, c'est une première mesure à mettre en place. Ok, super. Bah, si vous avez des questions, on peut continuer à y répondre. Sinon, bah, je pense que toute l'équipe Armoza et Bayer se tiendra à votre dispo pour pouvoir répondre à tout ça. Et ma part, certains blocs sont validés pour égout. Oui. Voilà, donc dans tous les cas, on était ravis de vous retrouver. On reste à votre dispo et puis on vous proposera aussi d'autres webinaires à venir. Et puis je pense que les équipes Bayer et les équipes Armoza se tiendront à votre dispo sur le terrain pour
pour pouvoir vous accompagner. En tout cas, nous, on voit cette innovation comme l'entrée du calciférol dans le marché, c'est plutôt une bonne nouvelle, avec des appâts plutôt bien formulés. Donc voilà, pour nous, en tant qu'experts indépendants, c'est une bonne nouvelle. Probablement une mauvaise pour les rongeurs, mais plutôt une bonne nouvelle justement pour les enjeux de santé publique qui sont ceux auxquels on a à faire face et auxquels vous avez à faire face, vous, les professionnels sur le terrain. Voilà. Et après, si vous voulez revoir, donc on a enregistré l'événement, donc je pense qu'Armoza et Bayer vous mettront l'enregistrement à disposition. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Oui. Je remercie tout le monde. Merci de votre large participation. C'était sympa de vous retrouver et puis on vous dit à très bientôt. Voilà, bon amusement à tout le monde et voilà, n'hésitez pas, de toute façon on est là pour vous. À bientôt.